Non, j'ai dit devoir sans être vu. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure. Ça y est, après ces quelques petites semaines où on a fait des lives et tout, nous voici enfin pour un nouvel épisode sur YouTube. Même les lives, ils étaient sur YouTube. Donc voilà, nouvel épisode de Madventure, accompagné cette fois-ci par un acolyte. Voilà, vous allez le découvrir dans quelques instants. Au programme de cet épisode, eh bien, on va vous montrer donc ce qu'on a fait, ce que j'ai fait avec l'aide de mes camarades au niveau des dômes sous l'eau. Donc on va un petit peu vous montrer ça, et puis on ira chez l'acolyte en question pour voir un petit peu ses projets, etc. Donc ça va être bien sympa. Mais vous le savez, à chaque début d'épisode, il faut que je trouve du coup l'acolyte qui s'est caché quelque part. Le seul problème, c'est que je sais où la personne s'est cachée, étant donné qu'elle a fait une connerie apparemment. Je pense que Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça va bien, et vous? Ça va bien, je te propose qu'on sorte tout de suite parce qu'après les gens ils vont se poser des questions qu'on soit là, voilà, un peu bizarre. Hein. Donc les amis, vous avez vu, je suis en compagnie de Anaïs la saucisse. Le bénéfice. Ah oui, oh merde, pardon, le Anaïs le bénéfice, bien évidemment, belle référence au live, incroyable. Du coup, je te propose qu'on aille directement au dôme. Alors, du coup les amis, ce que je me suis cassé la tête à faire en off, c'était un peu chiant mais ça va, c'est que j'ai creusé. Regardez, au niveau de la cave qui n'est toujours pas faite, hein, donc la cave de BXNO, j'ai creusé, j'ai fait le tunnel pour relier jusqu'au dôme, donc on va y aller sans perdre de temps. Alors attendez, il me faut une torche à la main, voilà. Donc évidemment, c'est semi-creusé quoi. Ouais, j'ai semi-creusé et j'ai pas encore posé de bloc ou quoi, c'est vraiment juste... Et alors, tu vas voir, on va passer à travers des mines et tout, c'est incroyable, il y aura des mines à explorer, si jamais. Donc ça c'est sympa, regarde, si on regarde, non, voilà, juste ici il y a des mines. Incroyable, là aussi. J'ai dû un peu reboucher en entendant des zombies. Là, il n'y a rien. Il y a des minerais aussi à récolter. Voilà, là, il y a des mines et tout derrière la cobble et tout. Enfin, voilà, j'ai rebouché comme j'ai pu. Et là, on arrive. Voilà, là. Et franchement, j'avais oublié qu'on avait fait ça en live. C'était trop, trop bien. Donc là, j'en profite pour remercier. Donc, tu es là en direct, Anaïs. Également, BXNO. Donc, en live et tout, vous m'aviez aidé toutes les deux pour le tunnel, globalement, mettre les murs, le toit et tout. Enfin, le toit. Tu m'as compris. Donc, tout ça. C'est super stylé. Et donc là, évidemment, ouais, donc là il y aura des vitres et tout pour camoufler les mines. Hein. Donc pour ceux qui ont suivi les lives et tout que j'ai fait, donc je referai évidemment, il n'y a pas de souci. Mais vous savez qu'en gros, je veux garder un aspect naturel. Donc là, en l'occurrence, il y avait une faille. Là, vous allez voir là-bas que il y a un petit trou avec de l'eau. Et donc je veux garder cet aspect naturel et garder, ne pas reboucher. Donc là, vous voyez, j'ai mis des vitres en gros. Voilà, parce que je trouve ça assez sympa. Et pour aller plus vite, parce que là on a tout fait à pied, mais on mettra des rails tout le long et donc ça va être bien sympa. Et donc là on arrive au niveau des dômes sous l'eau. Et ça y est, ça c'est magnifique. Alors, je vais juste enlever le shader. Parce que ce sera un petit peu mieux pour mieux voir un petit peu tout ça. Donc comme promis, comme j'avais fait donc dans mon schéma, comme dans mes rêves en fait, comme j'en ai rêvé. Ici on a le dôme donc qui permet donc de relier la base de BXNO avec des petits fourneaux. Il y a normalement de la cobble dedans, ouais voilà, très bien, il n'y a rien. Ah j'ai tout rangé je crois, il y a des éponges etc. Ah j'avais pas vu ici la smousse, voilà, pour faire donc le sol, c'est ça. Ici, alors ouais, donc c'est toi Anaïs hein, qui m'avait mis plein de coraux. Non, c'est pas vrai. Ouais c'est ça, ouais. C'est bien Anaïs. Oh, une tortue. Alors oui, alors il y a des dauphins hein, c'est magnifique hein. Alors d'ailleurs, comme ça je le pose en question, petit sondage les amis, qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs dis-moi qu'est-ce que t'en penses Anaïs. En vrai, j'aime bien le fait que t'as mis les coraux. Le problème c'est que c'est des coraux morts. Alors il y en a peut-être trop, mais en vrai j'aimerais bien les laisser, je ne sais pas, j'aimerais que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Toi t'en penses quoi Naïs? Bah de base c'était parti pour une blague, mais bah, je sais. Pas, maintenant je me suis habitué à les voir du coup. Mais c'est ça en fait, je sais pas, ça rajoute un petit truc, il y en a peut-être un peu beaucoup ici, mais c'est assez sympa. Là, ici c'est le dôme principal, donc le tout premier dôme que vous avez vu qu'on a construit donc même en vidéo, hein, donc voilà, avec du coffre et tout. Ici également Anaïs qui m'a ramené de la scie concrète pour les sols ici, c'est trop cool, donc merci encore à toi. Le petit lit, voilà, en hauteur, ça fait plaisir. Évite de mettre tes pieds dedans. What? Je t'ai vu voler. Ok. Oui, je me délivre. Ah. Et donc là, alors là, c'est le gros dôme qui nous a pris le plus de temps. Là, il faut encore que je mette de la concrète. Hop, la voilà. Pyradôme.
Le Pyradome, c'est vrai que ça a une forme triangulaire, mais franchement c'est cool. On verra ce qu'on en fera, mais donc d'abord je voulais encore remercier Bexno qui n'est pas là, et Anaïs également, vous m'avez aidé donc pour faire non seulement le dôme, et aussi pour enlever l'eau. Bexno elle a fait aussi une bonne partie en off et tout, et moi j'ai dû finir en off également, c'était super long, super chiant. Je te jure, l'eau j'ai cru qu'elle s'enlèverait jamais. franchement c'était relou. Et donc là voilà, je suis trop content avec la petite partie centrale au milieu. Donc ce dôme, on verra ce qu'on en fera. Est-ce qu'on mettra des arbres, est-ce qu'on, ou pas, ou je sais plus c'était quoi l'autre idée. J'ai oublié. C'était un dôme naturel. Ouais bah voilà, un dôme naturel mais avec des arbres quoi. Oui. En vrai moi ce qui m'intéresserait si on faisait un dôme avec un arbre, c'est que vraiment l'arbre il soit en plein milieu du dôme. Donc je pense pas qu'on l'utilisera pour ça. Après on peut faire, je pourrais faire ça en mode dôme naturel et l'utiliser genre je sais pas pour mettre des abeilles par exemple. Mais non puisqu'il faut des arbres. Mmh. Oh. Non, des fleurs, il faut. Il faut des fleurs, ouais. Ouais, mais pour la ruche. Bah, pour la ruche... Eh oui. Y a pas les ruches que tu crées toi-même. C'est les petites maisonnettes pour les ruches. Pour les abeilles. Comment ça, des maisonnettes avec des ruches? Alors là, tu m'as perdu, là. Il me semble que... avec les abeilles, quand tu récupères leur ruche, tu peux créer une ruche artificielle. Mais je suis pas du tout sûre parce que je me suis pas vraiment attardée sur les ruches. Ok, je vois. Bon, je vois pas trop. Non, je vois quand même pas. Mais tu sais quoi? En vrai, moi je vois bien le truc, un dôme, tu vois, où il y a de l'herbe partout, un arbre en plein milieu, avec une ruche, et donc des abeilles, et voilà, en vrai, et puis des fleurs, en vrai, okay. Et en vrai, ouais. Un cercle d'eau avec des poules en bois, et puis ce sera super joli, avec des lianes qui tombera de l'arbre, et puis... Ouais, voilà, ça peut être sympa. Bon, et puis pour ce dôme-là, bah on verra, il y a un fail là, hein. Ah, attends. Oui. C'est Marion qui avait pas tout enlevé. C'est pas grave. Voilà, il y a un problème de symétrie, mais je saurais pas dire où. Hein. Bah, il y a encore un bloc en trop. Ah ouais, merci. Et voilà. Donc, ah oui, et puis il y a encore et un voilà. Dôme. Il y a encore un petit dôme, du coup. Le troisième dôme qui a été construit. Donc, pour faire dans l'ordre, hein, ça c'était le tout premier dôme. Ça c'était le deuxième dôme. Là, on va aller sur le troisième dôme, juste ici. Alors, faire gaffe, il y a un squelette qui a spawn. Pourtant, j'avais éclairé, je comprends pas. Il est où? Il est là, hop. Voilà, ça dégage. Hein. Petit dôme sympa, qu'on verra à quoi il pourrait être utile. Mais vraiment bien. Alors je suis trop content de comment ça rend, c'est fou. J'adore. On est trop bien. Je pense qu'il y aura un dôme. Ce sera un dôme pour faire l'amour. Bon, bref, voilà. Et du coup... Qu'est-ce que je veux dire? Un creeper! Ah! Non, il a pas pété! Non! C'est bon, je l'ai tué! Oh, je m'attendais pas! Ah ouais, mais il a spawn là, comme ça, là? Ouais, il y a un montel là, tranquille, il faisait ah. Salut! J'ai visité aussi, c'était marqué dehors. Oh le salaud! Bah, pourquoi tu l'as tué du coup? Et alors, attends, j'aimerais encore montrer. J'ai aussi creusé ici, donc pour une petite, ce que je disais, les petites bulles d'air, donc j'ai un peu montré, tu peux venir, je pense que tu l'as pas vu. Voilà, ça fait quand même vachement loin, pour ce que c'est, j'avoue, je voyais pas ça aussi loin. Là, il faudrait que je mette des échelles, mais j'en ai pas, alors là, je me suis fait calotte. Attends, regarde. Voilà, tu peux casser. Et en gros, voilà. Regarde, je t'enferme ici, moi j'y vais. C'est ça, ciao. Ciao, bambino. Non, et puis voilà, une petite bulle d'air dans les coraux. Bon, en vrai, c'est pas comme je le pensais. Enfin, en fait, je voyais un peu l'idée comme ça, mais c'est pas comme ça que je voyais. Déjà, c'est loin. Je pensais pas que le trajet serait si loin. Après avoir... De toute façon, là, c'est qu'un tunnel creusé, donc si le tunnel est agréable et qu'il y a des choses à faire, etc., peut-être que ce sera mieux. Mais bon, bref. Enfin, voilà. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Bah je vois le truc que tu veux dire, des bulles d'air comme ça, mais il faudrait les faire un peu plus... Rond. Même si c'est pas trop possible, mais... Ouais, c'est ça, plus rond. De la même manière que le dôme. Ouais. Et ce serait bien d'en faire un peu genre, au milieu de l'eau, qu'on pourra pas rejoindre, enfin rentrer dedans, mais ça ferait des bulles d'air dans l'eau, suspendues dans les airs.
au milieu de l'eau. Non, mais tu te rends compte que tu dis des trucs, des fois c'est bizarre. Hein. Ah, genre comme ça là. Genre pas au sol. Ouais, pas au sol, la même chose, mais pas au sol. Mais du coup, c'est des dômes volants. Bah, ça fait des bulles volantes. Qui remontent à la surface. Ok, je vois. Bon, faudrait pas trop en faire alors, hein, mais. Tu mets de la lumière dedans. Des coraux. Des chats. J'adore. Eh, hey, je suis là, je te dis clairement que c'est pas ouf. Et toi, ta technique, bah, tu mets de la lumière. Un truc moche, tu mets de la lumière, hop, c'est beau. Excellent. Eh ben voilà pour la présentation des dômes. Donc voilà, on a fait ça en live, donc ça c'est cool. On en refera ultérieurement si vous voulez. C'était quoi ce bruit? C'était le jeu, ça m'a fait peur. Tranquille. Ah oui, pas mal, c'est bien. Donc voilà, maintenant, si tu veux bien, je te propose de me proposer de m'inviter chez toi. D'accord. Voilà, donc un petit slash spawn. Allô? Alors, je sais plus, voilà. Tout va bien. Et attends, bouge pas, il faut absolument que je mette le shader. Je bouge pas. J'ai levé les mains. Ok, parfait. Je lève les pieds aussi d'ailleurs. Aïe. Ah, tu t'es. Ok, je te follow maintenant, c'est toi qui vas faire la guide touristique. Alors, c'est ici. Très bien. Donc, on spawn dans un petit pont. Ouais. Arrête de rigoler. Pardon. Dis-moi tout. Voilà, donc on spawn dans un petit pont alors que le portail il est là. Et Oh, la critique tout de suite là. Ok. Du coup, bah, c'est un pont. Et puis, bah, on a mis les blocs et du coup, j'ai essayé de faire une maison sur pilotis avec un petit chemin, etc. Wow. Et ici, bah, c'est le début de la maison que j'ai commencé. Puis là, ce sera une petite terrasse. Puis uh-huh. J'ai choisi un petit biome avec plein de fleurs parce que bah, c'est trop joli et j'adore les fleurs. les creepers, non, ils sont pas vraiment censés être là, mais... Où ça? Là-bas. Faut pas de creepers. Ah oui, en effet, très bien. Bah c'est tout mignon. C'est vrai que ça faisait longtemps que t'avais trouvé ce spot en plus, du coup. Oui, je l'avais réservé. Voilà, exactement. Mais d'ailleurs, du coup, juste question à part, le portail, tu voudrais que je te l'enlève avec le plugin? Non, parce qu'il me faudra un portail dans tous les cas pour partir. Ah bon, c'est vrai qu'on fait tous slash spawn. Bah ouais. Bah ouais, il faudra l'enlever alors. Ok, bah je te l'enlèverai du coup. Voilà. Parce que je me disais, parce que là, je sentais ton petit pic en mode le portail il est là alors qu'on va là. Mais je me suis dit, tu voudrais peut-être pas que le portail soit là. Ça me ferait quand même vachement con. Non mais c'est sympa, le petit pont, sympa. La maison, elle risque d'être assez sympa. Ah oui, maison sur pilotis, il y aura qu'un seul étage ou deux étages? Je sais pas ça encore. Ah, c'est une grande réflexion alors. Oui. Très bien. Eh ben écoute, je t'annonce que ça fait 13 minutes de vidéo. moi dans ma tête, je me suis dit on va faire 20 minutes de vidéo tranquille. C'était quoi? C'était des tantômes. Des tantômes. Des tantômes, ça dégage. Oh, ce que je lui ai mis. Ben voilà. Non. Tranquille ou pilou. Ah bah j'ai récupéré. Tu veux la membrane? Ah. Non, c'est bon. Très bien. Hop là, on fait du ping-pong. Hein. Ok. Eh ben, c'est cool. T'as déjà un lit dans ta maison ou pas? Non. Ah. Eh ben, je vais me faire foutre. C'est pas grave. Et y'a quoi, là? Je visite un. Ah bah, y'a rien. Rien, c'était un truc comme ça. Je sais pas c'était quoi. Ah, je pensais que c'était un creeper. Et puis, bah, au début, je mettais mon lit ici. Ah, d'accord. Ah oui, tu en mode cachotière. Ok. Voilà. Très bien, il est mignon le petit lit. Ok. Eh ben c'est cool. Ah bah oui. Mais je suis bête. Je voulais faire le. Mais bien sûr. Eh, qu'est-ce qu'on a de prévu maintenant pour la vidéo? C'est très très bon. C'est le truc que du coup j'ai envie de faire avec tous les acolytes prochainement quand on les invite. Qu'on a fait avec Totor alias Lydid, un petit cache-cache. D'accord, mais. Ici. Ok. Non, eh, en vrai, il y a du potentiel. Tu sais quoi? On se donne une limite, regarde. On se met sur le pont, on regarde les coordonnées, ok? Et on se dit, on doit pas dépasser genre 200 blocs. Ok. Ouais, à peu près à vue d'œil. Hein, par contre, ça te dit on dort, parce qu'en vrai... Moi j'ai mon lit, hein, après. T'inquiète, j'arrive. Je vais dodo moi aussi. Faut juste que je fasse un petit trajet un peu plus long. Alors... Ouais, parce que la nuit ça va être un peu relou.
Du coup, je te propose que je me cache pour commencer. Ok. Comme toi tu connais, et puis après on alternera tranquillou. Par contre, pourquoi la nuit elle passe pas? Ah si, voilà, très bien, je suis un peu impatient, excuse-moi. Non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Voilà, je te... Mon dieu. Voilà. Alors, eh ben écoute, vas-y, tu comptes sur le pont alors. Ok, je comprends. Vas-y. Cassez-vous. Combien? 20? Ouais, vas-y, 20. Carrément. Ok. C'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis en PLS. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Caché ou pas caché, j'arrive quand même. Caché ou pas caché. Ok. Ok, ok, pas mal. Je suis plutôt pas mal. Je vois même pas ton pseudo, tiens. Ah, j'ai peut-être donné un indice, je suis un peu con moi quand même. Tu fais des bruits de vibreur. Je réfléchis. Donc bien sûr, je te rappelle que je suis pas parti à plus de... Allez, je suis même pas parti à plus de 100 blocs du pont. Je vais pas me casser les jambes. Arrête de rire, tu m'as vu, c'est ça? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Peut-être. Peut-être bien un quip, peut-être bien un non. Peut-être bien un quip, peut-être bien non. Ici. Non. T'as même pas vu une flèche passer? Non. Excellent. Bon, il se peut que je t'ai vu quand même. Mais. Dis-moi tout. Mais t'es où? Alors, y a quand même. En off, elle était là en mode ouais, mais chez moi, y a rien, on peut pas trop se cacher. Eh bah, quand même, hein. Mais c'est pas. C'est qui, ça? Oh non! Salut! Attends, comment j'ai t'as fait? J'ai vu ton épaule hier. Oh non! Méchante épaule hier! Ok. Bah écoute, est-ce que je compte ici ou au pont? Vas-y, compte ici. Ok, bien joué en tout cas. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Après, je sais plus comment dire en anglais, donc 17, 18, 19, 20, prêt ou pas, non attends, caché ou pas caché, j'arrive. Ok, je sens que je vais te trouver plus rapidement, je sais pas pourquoi. C'est pas gentil. Mais j'ai confiance en moi. Donc j'y crois, c'est pas méchant hein. Ah, tu m'as tapé? Non. Yo, mais je sais ce que t'as fait, c'est ok, c'est bon, je sais où t'es. Ah non, c'est juste... c'était pour t'aider à construire. Non, laisse tomber. J'avais une théorie. Après, peut-être que c'est vrai, attends. Merde! Bon, déjà, tu me vois, c'est sûr. Ok. Passe un bon moment. Et ben voilà. Chta. Trouvé. Oh, je t'envoie des œufs. Chta. Chta. Et ben ça fait plaisir. Et en vrai de vrai. Ah, c'est pas bien, on pourrait arrêter là, mais j'aimerais bien me recacher. Ok, bah va te recacher alors. Merci.
Je vais en faire une deuxième manche. Sur le pont. Vas-y, j'espère que ça vous plaît les amis. 12, 13, 14, 15, 16. Oh, elle est perdue. 18, 19, 20. Wouh. Alors. À chaque fois que tu fais des bruits de vibreur. Je suis en PNJ. Ah. Ah oui. C'est quand même vachement kiffant. C'est quand même vachement kiffant de voir sans être vu. D'être voir. Non, j'ai dit de voir sans être vu. Ah ! Oh non ! Trouvé ! Oh non ! Oh non, désolé, mais c'est une blague. Il me restait un cœur. En même temps, t'as enlevé ton armure parce qu'elle t'a trahi tout à l'heure. Bah ouais, mais c'est une blague. Mais c'est pas du tout safe chez toi. Hein. Oh, et où, hein? Ah ouais, bah tu m'étonnes, Amine. Ah ouais. Ah, mais la surprise. Bah ton arbre est ripé. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Bon, mais c'est nul. J'avais une bonne cachette en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ce que je pensais. 7, 6, 5. Qu'est-ce que je raconte moi? N'importe quoi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bon. 20. Mais comment on dit 20? Bah 20. 20. Bah. Et comment on dit 12? Ah mais non, on dit 12. Oh putain, c'est compliqué l'anglais. Alors. 1. Je t'entends respirer fort, c'est que je suis pas loin. Hein. Ouais, tu t'es recaché au même endroit, toi, c'est sûr. Salut! Ah non. Et en vrai, ce serait ici que j'aurais dû me cacher. Il y avait trop du potentiel. J'étais caché. T'as dit quoi? J'étais caché. Mais attends, c'est toi? Ah non. Ah non, et en plus, le soleil va se coucher. Non, mais tu refroidis là. Ouais. Mais non, tu t'es planqué à la même planque que moi? Non. Ah non. Ah. Ah putain. Ouais. Ouais, je suis passé devant toi. Ok. Là, je chauffe. Tu m'as regardé, mais tu m'as pas vu. Quand ça? Ah putain! Ah ouais, d'accord, ok. Bah bravo, bien joué. Je pense que t'as le point là cette fois. Excellent. Ah ouais. Il y a CTLM derrière toi. CTLM, le zombie responsable. On verra les avancées au fur et à mesure, hein, du coup. Et puis voilà, à quand tu fais des vidéos ou des lives sur MadVenture là? Je sais pas. En vrai, je pensais reprendre les lives. Ah! Je sais pas trop. Peut-être dans pas longtemps. Peut-être dans pas longtemps. Vous avez entendu ça, les amis. Donc, sachant qu'au moment où on tourne, on est mardi et que la vidéo sortira, je crois, un truc comme vendredi ou jeudi. Et ben, c'est encore dans moins longtemps pour vous. Voilà. Incroyable. Et bien, voilà. Donc, c'est là-dessus, les amis. Dans le noir. Eh, écoute, désolé, je vais faire un slash spawn, mais je me sens pas du tout en sécurité. Clairement. C'est là-dessus que cet épisode s'achève, bien évidemment. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas du coup à passer sur la chaîne YouTube et Twitch d'Anaïs, bien évidemment. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour deux prochaines vidéos, pour deux prochains lives. N'oubliez pas les amis que en ce moment, je fais pas mal de lives sur Twitch à n'importe quel moment. Voilà, je me fais un peu plaisir. Alors c'est pas forcément du Minecraft, mais voilà, je me fais des petits kiffs, donc n'hésitez pas à me rejoindre également. Et puis voilà, nous on se retrouve donc très rapidement pour deux prochaines aventures. C'était Mkolo et Anaïs le bénéfice. Et moi. Des bisous, ciao ciao tout le monde. Des bisous, baveux. Ah